Bonsoir. Ouais, là, c'est mieux. OK. Eh bien, mes chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à notre fameux moment de prière. Alors, c'est une réunion de prière à part entière, un moment d'intercession où nous allons effectivement plaider devant Dieu. Donc, nous allons avoir au moins plusieurs parties, donc partie adoration, confession et intercession. Alors, ce soir, dans le cadre des 10 jours, eh bien, nous sommes arrivés à notre moment spécial, nous sommes dedans. Et avant toute action de prière, nous devons quand même rappeler certaines choses en ce qui concerne la prière. La prière est une requête que nous adressons à Dieu. La prière, chers amis, chers frères et sœurs, n'est pas un acte magique. Il faut que celui qui s'avance vers Dieu croie que Dieu existe. Hébreux 11 et le verset 6 dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et que c'est lui qui récompense la foi de ceux qui s'approchent de lui. Il dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas agir pour nous. Il faut qu'on s'approche de Dieu en croyant que Dieu existe et qu'il peut faire ce qu'on lui demande. Jésus disait souvent, que veux-tu que je fasse pour toi? Et quand les gens disaient, il disait, va, ta foi t'a sauvé. Donc, la foi est essentielle du côté de celui qui demande. Il faut qu'il croie que Dieu a la capacité de réaliser ce qu'il demande. Et c'est pourquoi Jésus dit, en voyant l'étonnement des disciples devant un figuier qu'il avait maudit, Jésus leur dit dans Marc 11 et le verset 22, ce qui suit, Marc chapitre 11 et le verset 22. Et là, Jésus dit ceci, Marc 11 et le verset 22. Il dit, ayez foi en Dieu. Parce qu'ils étaient étonnés de voir le figuier desséché parce que Jésus avait dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et Jésus va leur dire quelque chose en leur disant, ayez foi en Dieu, c'est-à-dire d'avoir confiance en Dieu. Il va donner un mécanisme que nous devons saisir ce soir. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Remarquez ce qu'il est en train de dire. Il dit, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, c'est-à-dire à l'instant où il le dit, il croit que cela arrive. Jésus dit, il le verra s'accomplir. Ça veut dire que pour l'accomplissement, tu peux croire aujourd'hui, ça peut se faire demain. Et c'est pourquoi il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Il y a des gens qui attendent quand la chose est réalisée pour dire le Seigneur l'a fait. Non, ce n'est pas la foi. La foi, c'est que tu saisis le don avant de le voir. Dieu n'est pas un rigolo. Dieu n'est pas un plaisantin, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. La parole de Dieu est éprouvée et épurée 7 fois au creuset. Ça veut dire que avant que Dieu te donne une parole, la parole a été pesée 7 fois. Et quand il lâche la parole, eh bien, la parole va s'accomplir. Donc, tu peux t'appuyer sur cette parole. Le monde va s'écrouler. Mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui va se faire. Donc, c'est pourquoi il dit, tu dois croire avant de voir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, tu veux que Jésus te guérisse, tu dois croire qu'il le fait. Tu veux que Jésus fasse quelque chose pour toi, tu dois croire qu'il le fait.
Si tu ne crois pas, eh bien, la chose ne se fera pas. Deuxième point, nous devons savoir que les miracles ne sont pas le critère de la vérité. D'abord, certaines personnes veulent voir des miracles. Les Juifs voulaient voir des miracles et les Grecs ils voulaient de la sagesse. Mais Jésus dit que les miracles ne sont pas le critère de la vérité. C'est la parole qui est seule juge en matière de vérité et de doctrine. Ésaïe 8, verset 20 dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Ça veut dire que si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous ne verrons jamais le bout. Parce que la bénédiction est dans l'obéissance et la malédiction est dans la désobéissance. Ce n'est pas Dieu qui nous maudit, hein, mais le péché produit un fruit qui nous entraîne à la mort. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, comme nous l'avons vu, eh bien, lorsqu'il va vers Dieu, eh bien, Dieu répond à ses prières et à ses supplications parce qu'il est dans un chemin où Dieu peut travailler avec lui. Dans la prière, nous n'imposons pas notre volonté à Dieu, mais nous sommes au contraire amenés dans la volonté de Dieu, à l'exemple de Jésus qui priait disant, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce n'est pas parce que nous allons prier que nous allons obliger Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire. Nous prions en obéissant à la parole de Dieu, mais c'est lui qui décide de ce qu'il fera pour chacun. C'est Dieu qui décide qu'est-ce qu'il fera pour chacun. Il peut dire oui, il peut dire attends, ou bien comme à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bien-aimé, il y a des gens qui ne seront jamais guéris par Dieu. Que cela ne vous décourage pas, parce que Dieu vise notre salut éternel. Et Dieu sait que s'il te guérit, je vais vous raconter une histoire. On priait avec un jeune homme et c'était un gars costaud, vaillant, il faisait ses affaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, s'il a eu maille à partir avec quelqu'un, mais on lui a envoyé un truc sur lui et il avait peur de tout. Le gars, c'est comme un géant, quoi. Mais le gars, c'est comme une feuille de papier. Il a peur de tout. On l'a rendu peureux. Et alors, un jour que nous étions chez lui pour prier avec lui, et le frère Duhamel, que beaucoup connaît, fait une lecture. Et quand frère Duhamel fait la lecture, il se met à rire. Alors, on lui demande, comme il ne riait jamais, on lui demande, mais qu'est-ce qu'il rit? Parce que la lecture disait que Dieu ne guérit pas certaines personnes, parce qu'il sait que dès qu'il les guérit, ils vont retourner à leur vie. Et le gars, il se met à rire, il dit, bon, mais c'est ça, moi, enlève les autres, mais souvent t'es guéri, t'as déjà les pompiers. Vous voyez, il a une chose en tête. Alors, c'est pourquoi cette fois, pour nous sauver, tu es obligé de nous garder là. Tu es obligé de nous garder. Bon, bien sûr, ça ne fait pas plaisir d'entendre ça. Mais le Seigneur, il veut nous sauver pour l'éternité. Alors donc, il nous garde parce qu'il sait déjà que nous allons partir en vie. Il va nous soulager. Il va organiser les choses pour nous. D'accord? D'autres seront guéris au fur et à mesure. D'autres seront guéris instantanément. Le Seigneur a mille moyens de répondre aux prières. Donc, notre foi doit s'appuyer sur l'amour de Dieu, que Dieu fera ce qui est meilleur pour nous. De sorte que nous ne soyons pas déçus à l'issue de la prière, mais que nous puissions mettre notre foi dans le Seigneur. D'accord? J'ai vu des gens avec qui on a prié. Pendant la prière, il n'y a rien qui s'est passé. Et la personne est partie. Mais quand elle est arrivée chez elle, eh bien, Dieu a effectué tout ce qu'elle avait demandé. Pourtant, au moment de la prière, rien ne s'est passé. Et Jean-Pierre était avec moi, enfin, on était à l'église, on a prié avec une jeune fille, une jeune femme, c'était une mère, femme mariée. Et cette femme avait un problème.
Et finalement, cette femme avait un mauvais esprit en elle. Et quand on a prié au nom de Jésus, et l'esprit nous a dit, qui Jésus est ça là? Et cherchez Jésus à d'autres là. Divine là, moi, mon bien. Alors, c'est ah bon? L'après-midi, c'était ça. Et puis la fille, elle est partie, on a prié. Je lui ai dit, bon, elle était fatiguée, tu dois rentrer chez toi. Eh bien, vous savez, les amis, nous, on a prié. Quand il était 7h du soir, 7h30, elle a commencé à entendre toutes les prières qu'on faisait. Et chaque prière qu'elle entendait, eh bien, elle disait que l'esprit recevait des coups au-dedans d'elle. Alors que nous n'étions pas là, elle nous entendait tous prier, les uns après les autres, comme on avait fait. Et maintenant, on n'était pas là, eh bien, la prière devenait efficace. Alors, elle a confessé ses péchés, elle est rentrée en elle-même, elle a demandé à Jésus de venir à son aide parce qu'elle n'arrive pas à dormir et tout. Et c'est elle qui nous raconte ça, et j'ai un témoin, puisque c'était la voisine de Jean-Pierre. Elle nous dit, à un moment donné, alors, elle voit un personnage, enfin, comme une nuée, mais avec une forme humaine, mais c'est quelqu'un qui vient et qui s'assied sur le lit. Et la personne a une puissance et en même temps une douceur. Et elle est assise là, elle ne dit rien, et puis elle a fait simplement que tourner la tête et elle a demandé à l'esprit, qui es-tu? Et à cette question, le démon qui disait, oh Jésus, il est parti sur le champ et la fille a été libérée. C'est pas nous, on n'était pas là. Mais on avait prié et Dieu a fait son travail. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre votre foi en Dieu, mes frères. C'est pas dans les anciens qui sont là, il faut mettre votre foi, mais c'est en Dieu. Parce que quand vous serez tout seul, eh bien Dieu sera là. Les anciens seront chez eux, mais Dieu sera là. Donc il faut mettre la foi en, ayez foi en Dieu. Il n'a pas dit ayez foi en Shaoli, ayez foi en Dieu. Alors, quand nous venons, nous devons avoir foi en Dieu. Et toutefois, chers amis, nous voulons quand même nous approcher de Dieu ce soir sur la base de cette promesse qu'il nous a donnée dans Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Jacques chapitre 5 et le verset 16. Il est dit ceci. Jacques 5, voilà, c'est plutôt le verset 15. C'est moi qui me trompe ou quoi? Alors, je commence au verset 14, voilà. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et dans le livre de Marc, chapitre 6, nous voyons que Jésus aussi envoya ses disciples. Marc, chapitre 6. Voici ce qu'il est dit des disciples de Jésus. Versets 12 et 13. Il est dit, ils partirent. Et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc, c'est biblique, c'est établi. La parole de Dieu autorise ainsi à mettre l'huile sur le malade. Alors qu'il me soit permis de dire que l'huile n'est pas magique. C'est une représentation de l'Esprit Saint qui va travailler en faveur de celui qui vient à Dieu par la foi. Et je vais dire une autre chose, bien-aimé. Ne soyez pas choqués de ce que je vais dire. Mais comprenez ce que je vais dire. Aucun ancien n'est plus ancien qu'un ancien. Et aucun pasteur n'est plus pasteur qu'un pasteur. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je crains que vous vouliez tout ce que je vous impose les mains ce soir. Et c'est pourquoi le texte dit « Ayez foi en Dieu ». C'est par la foi que ça marche. Tous les anciens qui sont là ont reçu l'imposition des mains
et donc sont en mesure d'imposer les mains aux malades, à ceux qui le veulent. Et c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Ce n'est pas Shaoli qui fait « je peux poser les mains à tout le monde, là, rien ne se passe ». Parce que c'est Dieu qui fait le travail. Donc, tous les anciens sont anciens et tous les anciens ont reçu l'autorité de la part de l'Église pour le faire. Donc, quand nous allons procéder à la prière, mes frères, ne choisissez pas l'ancien, mais allez vers un ancien avec la foi en Dieu. Parce qu'il va agir selon la parole de Dieu. Et puisqu'il agit selon la parole de Dieu et que vous venez avec la foi en Dieu, pas en l'ancien, c'est pas dans l'ancien que vous avez la foi, c'est en Dieu. Et donc, vous vous présentez. Mais comme Dieu, il est invisible, mais que lui, Dieu va faire le travail nécessaire pour chacun de nous. On est d'accord, mes frères? Je crois que cette précision était absolument nécessaire. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous invoquons ton nom à cet instant, Père, car nous avons besoin de toi, Seigneur, plus que jamais. Éternel, que tes sept esprits qui parcourent l'univers parcourent cette assemblée maintenant, Seigneur, et que tu visites et que tu pénètres tous ceux qui sont ici. Que tes sept esprits qui sont debout devant ton trône puissent se tenir devant chaque ancien, éternel mon Dieu. Et que ces sept esprits qui habitent dans le Seigneur Jésus puissent habiter au-dedans d'eux. Seigneur, fais reposer l'esprit de grâce, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Que chaque main, Seigneur, devienne tes mains et que chaque prière soit contrôlée par ton esprit, de sorte, Père éternel, que chaque ancien devienne un canal par lequel tu bénisses ton peuple en ce soir. Éternel, agis, car Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es Dieu. Donne gloire non pas à nous, mais à ton nom, et fais du bien à ton peuple qui s'est déplacé, parce qu'il espère en ta bonté une fois de plus. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.